Avec cette extension de la norme antiraciste appliquée aux personnes homosexuelles, il sera interdit de proférer des insultes ou des appels à la haine ou à la discrimination en public vis-à-vis de ces personnes-là. Actuellement, il s'est considéré comme inacceptable de tenir des propos racistes et donc il est temps d'étendre aussi cette protection aux personnes qui sont homosexuelles. Cette norme, elle doit aussi avoir un effet de sensibilisation, un effet éducatif avant d'avoir un effet de sanction. Oui, bien sûr, ce n'est pas une norme qui va brimer la liberté d'expression. Stigmatiser une catégorie de la population n'est pas une opinion, c'est un délit. On sait que de nombreux jeunes homosexuels sont beaucoup plus vulnérables et que le taux de dépression et de suicide est plus important chez eux. Le fait d'étendre la norme antiraciste aux personnes homosexuelles donne un message clair à la société qu'il n'est plus acceptable de proférer des propos haineux ou homophobes. La haine n'est pas une opinion.